Là, nous allons parler de loi OUK. Alors d'abord, on a présenté les sons et puis l'application. Qui s'en a appliqué les sons dans une salle classe, ok? Loi OUK, c'est une loi que les étudiants ont depuis la classe 3e. Mais ils ont seulement une formule, ils connaissent par cœur. Et ils même qu'à faire exercice sur lui. Mais ils n'ont pas jamais compris qui s'allie ou qui s'en capable de faire avec. Alors nous devons peut-être l'objectif nous-mêmes pour nous utiliser la loi et permettre que ce n'est pas nous pour aller expliquer si nous ça va faire avec, mais faire son travail et puis notre travail là, il y a comprendre ça va faire avec la loi. Maintenant là, nous devons définir l'objectif parce que d'abord l'objectif ça peut être que nous conduisons, c'est-à-dire nous avons une ligne que nous suivons pendant la classe là. Ok, nous avons trois objectifs ça et que nous avons là, donc nous n'avons pas besoin de rester sûr parce que nous avons écrit. Et alors, deux premières parties, c'était peut-être que notre travail là, c'est nous expliquer les relations et puis calculer pour un bagage avec qu'on a utilisé un réseau. Ok? Et puis, troisième objectif de gagner, c'est permettre que notre petit débat que a fait entre eux, puis on capable de joindre qui sont capables d'appliquer ça au sort de faire dans la classe là, dans la vie courante. Ok? Ou bien qui côté ça appliquer déjà. Ok? Nous prenons ça, nous mettre là, nous prenons tout petit ça là. Alors, avant nous aller dans la classe là, nous faisons nous-mêmes. Pour nous capable bien définir les sons. Alors nous prenons wash, sisti batterie, mab, pince, etc. Nous allons sur le dynamomètre, nous garder poil. Et puis après ça, nous attachons la ressort. Okay? Nous avons qui allongement en plus que le bail ressort. Okay? Maintenant, après ça, nous faisons un rapport entre poids que nous devons sur le dynamomètre là. Et puis c'est allongement que le bail en plus sur le ressort. Et nous avons constaté que le rapport ça, il est plus ou moins été fixe. Et nous avons voir ça. Donc c'est ça que je définis comme mollesse ressort ou bien K que je relève comme mollesse ressort. OK? Maintenant après les fin fait ça avec ça tout le monde va comprendre que ou bien élève là va comprendre que avec un ressort qu'on y a sans pas besoin de dire là maintenant encore, il est capable prendre poids en bagage dès que il gagne information ça. Et chaque fois nous venons une situation comme ça, côté nous besoin montrer un bagage que nous pas des outils et qui actuel bien des outils matériels peut nous faire ça. Bon gros outil que MIT ban nous qui peut que nous fait ça. C'est ça que il y aurait les fêtes là. Donc nous avons que avec fête là qu'on y a ça me ca fait, me capable aller ça me pas faire dans la vie courante, annuler accélération pesanteur avec fête là me capable faire et l'aime faire me capable montrer ti moun là que là que pas gagne accélération pesanteur, l'aime mettre en masse sur ça, c'est pas faire. OK? Parce que si qu'on y a l'âme quitter accélération pesanteur par exemple pour Jupiter, OK, ou bien pour la Terre, il soit bouger. Donc là ça on pas capable faire dans la vie quoi, matériel que nous gagne. Mais avec cette là, nous capable faire ça. En fait, nous t'ai utilisé les outils bah très simple donc ressort, RAID, wash. Même téléphone étudiant, tu peux venir avec eux, venir pour venir peser. Nous avons utilisé faites la tour avec ordinateur qui nous dégoûte, même si pas bien l'autre pour permettre tout étudiant de participer sous ordinateur. Mais nous avons vu comment l'ambiance dans la vidéo. Tu as une première partie qui est dirigée par moi-même. Côté que nous avons fait discussion en 20 classes, côté nous avons posé des questions. Qui sont capables de faire avec un ressort, qui tout bail et élève aux possibilités, ils ont même pour dire toute qualité de bagage qu'ils peuvent faire avec un ressort. Abdias lui-même t'a guidé et parti qui vient pour avec mesure. Élève ont déplacé, quitté chez eux, venu comme mesure, tout ça aux photos. Dis-nous comment ça a été exactement. Réaction Timounio, c'était très charmant pour nous-mêmes. Qui t'a implémenté le son ça que nous définis en temps sous lien dans le collège de Claire Tétune. Donc, ça t'a poussé en pile là-dedans, réagir, poser question et redéplacer, venir pour expliquer les questions que tu as posées, tous les détails pour nous-mêmes, que nous avons eu la réponse qu'il faut.